Julien, sexy. C'était trop bien. C'est sexy, hein, le saxophone. Ah, trop. Ouais. Vous croisez Julien dans la rue comme ça, sans saxophone. Bon, ouais, c'est un mec pas sympa. Gentil, ça. Vous le voyez avec un saxophone, vous dites, waouh, ouais, trop beau gosse. Il y a une vraie étude comme quoi c'est le son du saxophone ténor qui met le plus les femmes en émoi, paraît-il. Bah, pas que. Si, si. Non, non, mais pas que. Moi aussi, je suis en émoi. Ah oui, aussi, oui. C'est mon côté, c'est mon côté naguifab. C'est ton côté midinette. C'est mon côté j'aime. J'aime le saxophone. Ceci dit, le violon peut me faire des choses aussi. Hein, si on parle d'instrument qui donne des sentiments, et je crois que c'est la vibration la plus proche en termes d'émotion de celle du cœur. Karen, tu me confirmes qu'il y a un truc de fréquence? Oui, je crois, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, à part le chant, parce que le chant, c'est vraiment l'instrument suprême, mais, ouais. Mais le violon, oui, il me semble. On est d'accord. Ouais. Qui est l'instrument le plus dur à jouer, on est d'accord. Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'à partir de maintenant, Magali et moi, on se fasse appeler instrument suprême? En toute sobriété. En toute sobriété, n'est-ce pas? Je renonce à une loge personnelle. Et tu sais quoi, les suprêmes, ils sont là, les suprêmes. Ils sont là, les suprêmes. Merci, les suprêmes. Et voilà. Bon, ça fait un peu fromage, mais sinon c'est bien aussi. C'était Diana Ross qui avait son groupe qui s'appelait Les Suprêmes. Quoi. Je me lâche. D'accord. Par contre, j'aurais besoin d'aide, s'il vous plaît. Alors, s'il y en a bien un qui s'y connaît en lâchage, c'est Fabien, c'est sa spécialité. Non, c'est pas Fabien, c'est instrument suprême. Instrument suprême. Mais tu peux m'appeler par mon diminutif, suprême. Ah, je croyais que c'était instrument dans diminutif. Oui, aussi.